Et wesh les gars, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, présentation de deck encore une fois. Je vais vous présenter ce petit deck, j'ai un gobelin de PK qui est je trouve très intéressant. J'ai regardé hier, je l'ai vu sur le stream de Lemancy. J'ai kiffé le deck, du coup je vais vous le présenter à l'heure avant que la vidéo commence les gars. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, ça fait plaisir et ça me soutient. Et bah on part tout de suite dans la première game. Merde, il n'y a pas de ça canonique. En général, ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas affronter avec ce deck, c'est tout ce qui est Ultra Cycle Bait. Comme on a gagné, c'est vraiment chiant. Mais sinon, le reste des autres matchups sont assez free en général, donc c'est ce qu'on aimerait bien affronter. Bon, je vais commencer avec une petite Night from map tranquille. Ah bah évidemment, première game, Lockbait, ça va être sympa ça encore. Ok, mettre un petit Void ici, hop. On va essayer de canonier galérer tranquillement avec la petite Knight. Ok. Tiens, ah, Knight. Ok, parfait. Bon, bah Lockbait, un des pires match-up. Première game, ça fait toujours plaisir. Hein, c'est. Grand kiff. J'ai pas forcément envie de jouer. Voilà, je joue mon PK ici pour Cycle Secours Dévorant. C'est excellent. Ouais, petite bûche ici. Le canonnier il va tranquillement galérer. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une petite Knight ici. On aura la rage s'il met autre chose que. Enfin, s'il met son gang. Je vais mettre un petit Void. Peut-être si on peut toucher le gang, ça peut pas trop mal. Hop. On va mettre une petite rage. On va voir ce que ça donne. Bon, les chauves-souris, elles grattent bien, c'est pas trop mal. On a évidemment gros casse-couille de service. Hop. Voilà. Exactement pourquoi j'aime pas affronter Lockbait. Parce que les mecs, ils spamment tout au pont. Je suis désolé si c'est des jeux Lockbait, mais vraiment je n'aime pas. Hein. Vraiment, je trouve ça un deck. Surtout dans cette méta, vraiment no skill. Attends, il y a des méta où c'était très skill là. On pige quoi. Bon, on va mettre le jeu un gobelin. Évidemment. Voilà, toujours. Ah ouais. Ok, je vais pouvoir pêcher à droite. En tout cas, j'ai un gobelin, je voulais le laisser faire sa vie tranquille. Ouais, bah Jean-Michel spam, hein. Ok, on va mettre le jeu un gobelin du coup. Bah, il sait qu'il va pouvoir défendre, je pense. Il sait qu'il va perdre la tour. Et là, la question que je me pose, c'est surtout comment il va défendre tout court là. Ouais, je suis désolé, là, bien première game, mais vas-y, la lutte de merde, alors, sorry. Bon. Première game de gagner. Hop. Allez, c'est part pour la deuxième game. Donc ce monsieur. Stop 400, ça fait plaisir. Ok, petit canonnier aussi. Vous voyez que ce deck, même contre des mauvais. Bon, là, il a mal joué, il a voulu full all-in. C'était pas la bonne chose à faire. Mais. Normalement, Lockbait, c'est trop chiant, vraiment. On a rien pour défendre. Même avec triple sort, c'est quasiment impossible de passer si le mec il défend un peu. Je vais mettre une petite Knight et je vais protéger avec les gardes aussi. Ok, les chauves qui vont prendre le focus, ça c'est une bonne nouvelle. On va mettre le petit Void ici. Avec les flèches. Ah, il n'y a pas un PK? Le PK il a disparu.
Ok, bon. On brige pas comme ça, là, normalement. Sorcier va être un peu chiant, mais on a le vibe, donc... Enfin, c'est GR, en fait. Non, non, il est impeccable. Je sais pas dans ma tête, c'est brige pas, mais peut-être pas. PK aussi, hop. Si on a les gardes pour pouvoir protéger un petit peu notre PK. Ouais, lui aussi il a des gardes, c'est un peu plus chiant. On a fait une bonne défense, ça c'est bien. La game va être relou, hein. La game va être chiante, le sorcier nous fait vraiment chier. Ah ouais, s'il part en PK, je pense je pars en all-in à droite. J'ai Mystique, je vais pas le mettre de ce côté-là. Bah forcément. Là, ça va me coûter cher, ça, je pense. Ah, j'ai perdu, je pense. J'ai pas fait exprès, j'ai Mystique, je vais pas le mettre de ce côté-là. Oh, guignol. Ouais, j'ai... C'est dommage. Le Mystique qui me coûte cher, là. Là, si j'avais à quelque le PK Evo, ça aurait pu passer assez facilement. Mais bon. Tant pis. C'est un petit mystique de ma part, c'est pas grave. On part du coup dans cette troisième game contre Oskit aussi. Ça part. Ok, celui-là, ça marche pas encore avec Bait Souple, changer de registre un peu. Ah ouais, t'as déjà un gobelin découverte. Quel est du PK? Va mettre une petite night tranquillement. Je vais veiller d'instant, je pense. Le sorcier de glace, j'ai pas envie qu'il me fasse chier. Ah. C'est un peu chiant ça. Ah ouais. Ok. Bon. Va être un peu relou la game là. Ah, PK cimetière là. Bon. PK cimetière, PK cimetière. Ok, bon, il joue PK Evo. Je pense que j'ai juste le kite. Je vais mettre une aide pour défendre le cimetière qu'il va mettre là. Ça me va. Ok, petite knight, tranquillement. Et là, on va mettre le jeune gobelin en plomb, je pense. Ou pas. Bah, ah ouais, là, le problème, c'est qu'il vient de recycler son PK. Ouais, voilà. Le problème principal, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah, GG. Là, mais gros, vas-y, les match-ups, c'est terrible. Je vous jure que j'ai testé un petit peu en off, c'était vraiment bien, mais quand je suis vraiment maudit, hein, quand je fais une vidéo, je me tape les pires match-up possibles à avoir. Genre vraiment, Lockbait, je peux rien faire, Cimetière, c'est pareil, c'est impossible.
Pour l'instant, on se tapait 3 PK. Ouais, non, un lockbait et 2 PK. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, le cimetière qui aurait eu raison de moi. Aïe aïe aïe. Les match-ups, c'est chiant. Ouais, même là, en vrai, le match-up, je pense qu'il est quand même chaud. Dans le sens où l'esprit électrique plus la rage, ça tue mes gardes en fait. Et le sorcier, c'est pareil. S'il le protège bien, je peux pas le tuer avec le Void. Du coup, c'est un peu chiant. En vrai, je pense qu'on a un peu eu de bons match-up pour l'instant. On a eu un counter et 2 HC. Oh, vas-y, vas-y, fais encore le bait là. Bon, c'est parti contre ce monsieur-là de Hong Kong Elite. Je vais mettre un petit P4 découverte. Ok. Ok. Évidemment, petit T2. On va mettre le Void instant. Ah bah c'est un peu chiant. Bon, je vais pas un dessin de T2, c'est chiant. T2 garde vite fait relou. Ouais, j'ai l'impression de défendre, j'ai été bête de mettre les flèches là. Paniqué. Bon, je peux ça me défendre. Mettre un petit jeune gobelin pour cycler les veaux. Je le laissais mourir même s'il met T2, Belek. Quoique j'ai tenté un truc. Vas-y, j'ai tenté un truc. Nickel ça. Oh, il a un moine aussi! Oh. Jésus, Marie, Joseph. Hein. Bon, c'est parti. PK. Là, on a la double Evo. Il y a un monde où on fait quelque chose. Hein. Si je mets. Là, la Knight va le faire chier normalement. Ah ouais, mais il a un sorcier. Oh. C'est un enfer sorcier. Hein. Ah bah force à moi. Ah non mais sorcier. Sorcier moine, garde plus T2 frère. Non là c'est du foutage de gueule. Hein. Je suis désolé mais là. Là c'est du bifoutage de gueule. Tape les match-up. Hein. Ah vas-y, faut lâcher ça, chef. Allez. Ah mais j'avais oublié, il avait ça. Ah ouais, on a bien gratté, mais... Le grattage, quoi. Ah vas-y, remonte service là. Vas-y, lâche ça là, chef. Par contre, il a plus T2 là. Hein. Là, il y a un monde où on passe là. Son sorcier me fait chier. Je vais mettre tous mes sorts sur mon sorcier. Vas-y. En plus, avec son augmentation de PV là, je vous explique pas le bordel. Hein. À part sur fond de map, voilà, nickel. Avec les flèches, hop, carré, un petit sort.
Petit Fisherman. Hop. Oh, c'est de la merde ce qu'il a fait. Ok, là, là il y a un monde. Oh, il est trop bête. Oh, il a tellement fait de la D. Là, il défend comment là? Ah, bah le sorcier, hein, bien là, genre. Le sorcier. Hein. Let's go les gars. Let's go. Oh, la game frère, c'est tendu du string. Hein. Le mec, je sais pas comment il a fait pour perdre, hein, vraiment. Le mec, c'était deux, c'était tellement random. Je pense que ça m'a fait gagner parce que là, si je joue correctement, je me fais violer. Vraiment, il a. J'avais l'impression qu'il a créé ce deck pour contrer mon deck. Vraiment. Parce que. Ouais, non, c'est trop. carrément, je suis choqué là. C'est pas possible d'avoir un match-up comme ça. C'est terrible. C'est absolument terrible. Bon, on va partir dans la dernière game de cette vidéo. Contre Bananero. C'est Tipper. Ok, bélier de combat, on va mettre des gardes. On va voir s'il rajoute quelque chose. S'il rajoute un PK, je peux mettre. Ça y est. Bon, bah là, je pense qu'il a déjà perdu la game, si je vous cache rien. On va mettre un pêcheur. Bah force à lui. Bon la dernière game hein. Ah mais là c'est juste ouvrir la gueule là. Encore un coup ce serait bien. Parfait. Bon. Ah on est très bien, écoute, je sais pas ce qu'il a fait mec, il a tout balancé au pont, il a mis une mamie, il a mis un archer, il a tout mis au pont frère. Putain il peut faire ça. On va juste la jouer défensive pour juste assurer. Hier on a fait une vidéo négative, ce serait bien qu'aujourd'hui on la fasse en positif, ce serait mal quand même. Vous en pensez quoi? Ok, encore un monk, un moine. Ok. J'ai pas forcément envie de jouer, je vais attendre un petit peu. Oh, juste mettre un bait, tu sais quoi, on va faire ça. Ouais, j'ai déjà vu des gens plus intelligents mettre un skull sur un PK Evo frère. J'ai déjà vu mieux dans le jargon. Et en plus peu importe ce qu'il fait, il est dans la sauce, mais il est dans une sauce là. Voilà. Là, on va avoir un souci là. Attends. Ouais, excusez-moi, j'ai un peu paniqué, mais je voulais vraiment pas perdre à cause d'un truc de merde comme ça. Là. Pour l'archer magique qui est arrivé. Voilà. Lui, il a pris un first shot sur 4 générations. GG well played. Parfait, on termine en positif, c'est pas trop mal. Je sais pas si on est dans le top 10k là, entre temps, s'il a bougé depuis hier. Non, on y est même pas. Allez, petit cube pour la fin. Et ben, un cube de merde, hein, comme d'hab. Ok, bon, bah, merci les gars pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit follow et un petit commentaire. Et pour savoir si vous voulez que je vous présente un deck en particulier, que je fasse un tutoriel sur un deck, ou que je signe un concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!